Matunga! Samba! Katsunga! Samba! Respect! Obéissance absolue! Samba! Samba, samba! Samba, samba! Samba! Samba, samba, samba! Samba, samba! Samba! Samba, samba, samba! Samba, samba! Samba! Samba, samba! Samba, samba! Samba, 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 samba. Samba, 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 le général. Je suis désolé, madame. Des accusations de détournement de fonds, intimidation et désobéissance d'un supérieur hiérarchique contre le capitaine Chema, le des forces extra du Katsunga. Nous ne pouvons pas donner un jugement sur le champ. Veuillez montrer à madame Diala son bureau. Bonjour, madame. Je vous prie de me suivre. Mes chéris, je croyais que j'allais être ta secrétaire. Maintenant, pour faire un enfant, il faudrait bien trouver un homme qui soit prêt à s'en occuper. C'est comme ça que tu te retrouves embrouillé par un homme marié, comme ça a été mon cas. Madame, je ne connais rien. Tais-toi. Continue à jouer à ce jeu. Un jour, vos masques vont tomber. Pardonne-moi, mon fiancé, pardonne-moi. Écoute. Une femme africaine n'a pas le droit de tromper son mari parce qu'elle a trouvé avec une autre femme. Tu t'es encore mêlé ces histoires avec ta mère? Non. Il me reproche d'être rentré tard et de lui manquer de respect dans sa maison. En tant qu'épouse du PDG, j'exige que mon siège soit remplacé avec un cuir un peu plus valable. Je veux du tapis au sol. Un écran plat 52 pouces incurvé. Je veux des couleurs chatoyantes. Je veux de la musique dans ce bureau. En fait, je veux de la gaieté. Je veux qu'il y ait de la vie. À cette allure, on se croirait dans un cimetière. Monsieur Tabi, qu'est-ce qui se passe? Madame n'apprécie pas son bureau. Madame Diala, distributeur n'a pas les moyens de t'offrir un bureau de luxe. Alors tu vas te contenter de ces meubles. Hmm? Ta première journée de travail, comment s'est-elle passée? Pour être sérieuse, mal. Comment ça? Savienda a refusé que je sois sa secrétaire. Il a maintenu Tumeta à son poste. Il m'a envoyé être la secrétaire du directeur général, M. Tabi. C'est assez curieux cette histoire. Mais tu es sa femme. De quoi a-t-il peur? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il me cache quelque chose. Et je ne vais pas tarder à le découvrir. Et concernant l'enfant, que t'a-t-il raconté? Il m'a dit que c'est l'enfant d'un de ses amis. Il a juste amené au supermarché pour lui acheter quelques jouets. Sois sur tes gardes, ma chérie. Tu sais, les hommes ne sont pas très sérieux dans cette ville de Linga. Et les petites filles ici dehors, elles sont prêtes à tout pour nous arracher nos maris.
Surtout un comme le tien, qui n'a pas encore d'enfant. Aucune femme, je dis bien, aucune femme ne peut m'arracher mon mari. Même comme le marabout m'a lâché, je vais trouver un autre moyen de protection. J'ai confiance. Maman? Oui, mon chéri. S'il te plaît, je vais en manger. Va te servir, mon chéri, je suis occupée. D'accord, oui. Sala? Maman. Papa. Ça va, mon fils? Ça va très bien, papa. Mais qu'est-ce qu'il fait avec un plat à la main? Mais Tsala, je t'ai demandé d'aller te servir, non? Mais va le servir! Au lieu de rester là gueuler, tu ferais mieux d'aller le servir. Je suis occupée. Faudrait que je finisse avec cette demande pour pouvoir les déposer afin d'avoir un travail. Je suis occupée. Allons-y, mon fils. En passant, faudrait penser à trouver une nounou pour ton fils. Tu as tout capitalisé? Non, j'ai deux matières non capitalisées. Je ne sais pas comment je vais faire avec mon père. Hé, hey, la fille! Salut. Salut, Tanke. Tanke. C'est ça ton nom, n'est-ce pas? Oh, j'aimerais bien que tu m'évites quand nous sommes ici en fac. Les gens doivent se rendre compte que Eba Difo que je suis, la fille du tout-puissant général Difo Samba, côtoie les pauvres dealers comme toi. D'accord? Écoute, ma chérie, descends un peu de tes grands chevaux. Contrairement à ce que tu penses, tu as besoin de moi, comme moi j'ai besoin de toi. Tu as besoin de mon argent, comme moi j'ai besoin de ta coke. Ok? Je suis juste venu m'informer, savoir comment tu vas. Visiblement, avec ton orgueil et ton impolitesse, je ne recevrai pas de remerciements pour ce que j'ai fait pour toi. Te remercier pour quoi? Pourquoi est-ce que je devrais te remercier? Hein? Je t'ai appelé pour que tu me livres la coke. Mais monsieur a jugé bon de me faire une thérapie de bon choc qui a marché. Et pourquoi est-ce que je devais te dire merci pour cela? Hein? Il y avait de l'argent, tu n'avais qu'à t'en servir. Maintenant, il ne se fait pas tard, dis-moi. Tu vaux combien? Tu coûtes combien? Oh là 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 là! Arrêtez ça. Arrêtez, s'il vous plaît. Tanke, s'il te plaît, va-t'en maintenant. S'il te plaît. Tout ne se résume pas qu'à de l'argent. Mademoiselle, je suis la fille du général Difo Samba. Eba, tu exagères un peu là. Il t'a quand même aidé. Fallait juste lui dire merci. Tu n'as rien d'autre à dire? Merci d'être venue, ma chérie. Ne me touche pas. Pourquoi est-ce que tu veux me voir? S'il te plaît, assieds-toi. Non, non, non. Je suis très bien dans cette posture. Eh ben, je me suis mal comporté l'autre jour et je m'en excuse. Je t'ai déjà pardonné. Merci, ma chérie. Merci. Depuis un bon bout de temps, je n'arrive pas à te saigner. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi deviens-tu si agressif au calme? Eh ben, j'ai mal. J'ai mal ici intérieur. J'ai très mal, ma mère me manque. J'aurais aimé la connaître, la serrer contre moi, l'aimer, la chérir. Mais je n'ai même pas une seule photo d'elle. Fokam, tu pètes les plombs ou quoi? Ça fait plus de 20 ans que ta maman vous a quitté. Pourquoi ce chagrin aujourd'hui? Ma mère me manque tellement, Eba. Je sens un vide de plus en plus grand au fond de moi.
S'il te plaît, c'est moi contre toi. Mbok. Encore ces gens Mbok. Ils ne se fatiguent donc pas. Déposez, sergent. Bonjour, sergent chef. Sergent Mbok, vous ne vous fatiguez donc pas. En amour, on ne se fatigue jamais quand on aime. Car elle nous procure de l'énergie. Elle nous donne de l'espoir. Et cet espoir nous donne de la joie. Ce poème est tiré de quel livre? D'aucun. Je l'ai créé spécialement pour vous. Sergent Mbok, nous en avons parlé et reparlé, mais vous faites semblant de ne rien comprendre. Je ne lâcherai jamais, jusqu'au jour où je verrai une alliance au bout de votre annulaire. La feuille de route de cet après-midi. Merci. Nous allons patrouiller cette nuit, du côté d'Imanioko. Nous avons une quarantaine de camions remorqueurs de billes de bois qui vont entrer au port. Nous devons contrôler la circulation pour éviter aux fêtards de nuit de se heurter à eux. Cette zone est souvent très embouteillée. C'est Jean Bock, trouvez-nous des chasubles. Je ferai un tour à la maison et on se prend à 22h. À vous autres. Ma mère est très gentille. Je pense qu'en la considérant comme la tienne, cela pourrait résoudre tes problèmes. Oh, Eba, merci de me comprendre et d'essayer de m'aider. Bonjour maman. Bonjour chérie, ça va? Voici mon ami dont je t'ai parlé. C'est le petit frère de Monsieur Tabé, le directeur général des distributeurs. Ah, ok. Enchanté mon fils. Sois la bienvenue dans ma maison. Vous êtes très aimable, madame. Ma mère est la meilleure des mamans au monde. Tu vois, si tu lui poses n'importe quel problème, elle t'aidera. Eh ben, dis-moi, c'est ton copain? Non, maman, c'est un ami et camarade de classe. D'ailleurs, papa le connaît très bien. Ah bon? Oui, il a perdu ses parents quand il était tout petit dans un incendie. Ah, mon fils, je suis vraiment navrée. Ça n'a pas dû être facile pour toi, n'est-ce pas? Avant ça, ne me dérangez pas. Mais aujourd'hui, je ressens un vide de plus en plus grand au fond de moi. Je peux te prendre dans mes bras? Oh! C'est la première fois que même c'est dans ses bras. Mon fils, je comprends. En toutes circonstances, si tu as besoin de la vie d'une mère, n'hésite pas. Je serai toujours là pour toi. Oh! Merci beaucoup, madame. Merci vraiment. Madame Sop, désolé de vous interrompre. Vous êtes ici pour travailler, pas pour vos manicures. Dépouillez-moi ces dossiers, enregistrez, puis classez-les. Apportez-les dans mon bureau. Ok. Madame Sop, pour qu'on vous donne un salaire à la fin du mois, faudra travailler. Monsieur Tabé, je ne vous permets pas de me parler de cette façon.
Je suis la femme du PDG de cette entreprise, Monsieur Sop Yende. Je suis aussi la petite sœur du général Difusamba, d'ailleurs sa seule petite sœur. Quand j'aurai fini de me refaire une beauté, je classerai vos dossiers et je vous les apporterai dans votre bureau. Je vous comprends très bien, Madame Sop. Mais j'ai une obligation de résultat en fin d'exercice. Et pour y arriver, j'ai besoin de collaborateurs qui travaillent. Bonne journée, Monsieur Tabé. Pourquoi veux-tu me foutre la honte dans ce quartier? Tu n'avais pas besoin de faire venir les hommes à la maison pour me trouver un mari, maman. Ma fille, tu n'as pas assez de temps. Donc Geneviève et moi avons décidé de sélectionner les meilleurs célibataires de Lenga. Mais je ne suis pas aussi désespérée qu'il faille faire un casting d'hommes pour moi, maman. Je me tue à te faire comprendre cela. Ma fille, est-ce que tu penses que j'ai choisi n'importe qui pour toi? Ce spectacle était de trop. Ce n'est pas un marché pour hommes ici, maman. Je t'en supplie, arrête de faire ça. Parmi eux, il y avait des ingénieurs, des architectes, des informaticiens. Tu te fais vieille et moi j'ai besoin de petits-fils. Ne te donne plus autant de peine, je t'en supplie, maman. En plus, je suis assez grande pour me faire désirer et me trouver un mari. S'il te plaît, arrête, arrête. À cette allure, avec ce comportement, tu vas faire fuir tous ceux qui te convoitent. J'ai bien fait de les chasser. Et la prochaine fois, je ferai pareil, maman. Je t'en supplie, ne te donne plus autant de peine. Je te le redis encore. Jenny, est-ce que Nadège et Estelle se sont rendues compte que c'est à cause du nom de la femme de Difusamba que je me suis évanouie? Je pense qu'elles ne se sont rendues compte de rien. Il m'a abandonnée pour épouser cette femme. Mais il te donne de l'argent tous les mois pour prendre soin de toi. Mais qu'est-ce que tu veux? 50 000 francs, c'est de l'argent. Il a détruit ma vie, gênée. Où sont mes enfants? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Tu te poses cette question? Calme-toi. Calme-toi, Krika. Tu connais très bien ton mari. Tu aurais dû y réfléchir par deux fois avant de le tromper. Franchement, tu as merdé. Même toi aussi, ma soeur, tu me condamnes. Je voulais me sentir aimée par quelqu'un. J'étais un objet de Difusamba. Il me frappait, me maltraitait. Hein? Quand j'ai trouvé un petit bonheur auprès de cet homme, sans te mentir, ma sœur, je me suis laissée aller. Calme-toi, ma sœur. J'ai foi qu'un jour, nous retrouverons tes enfants. J'ai dit que même le petit Fokam, il ne connaît même pas mon amour. Ça va, ça va. Il ne connaît certainement pas mon visage, ma sœur. Ça va aller. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Que puis-je faire pour vous? Je veux rencontrer mon époux. Il est détenu ici. Votre carte d'identité. Comment il s'appelle? Tchemale. Le capitaine Tchemale. Ah, le capitaine Tchemale. Aucune visite ne lui a été accordée. Pourquoi? Quand il était en cellule aux enquêtes, on m'avait interdit de le voir. Détenu ici, on m'interdit encore de le voir. Je comprends très bien votre préoccupation. Ici, c'est la prison militaire. Nous respectons les ordres. Le juge n'a jamais interdit les visites à mon mari. Le juge ne gère pas les prisons militaires.
Madame, il y a d'autres personnes que je vais recevoir. Cherchez-vous un avocat. Voyez un juge pour qui j'ai votre problème. Je respecte les ordres. Disposez. Comment tu me trouves? Bellissime. Où vas-tu? Tu ne vas pas au boulot aujourd'hui? Chérie, c'est mon car qui a le bâton de commandement. Je me suis un peu mêlée de ses affaires. Et il n'est pas très content. Donc, je vais à son bureau pour lui faire des flatteries. D'accord, je vois. Au fait, tu en es où avec ton projet arracher le cœur de ta copine? J'y travaille, ne t'inquiète pas. Mm-hmm. Surtout que M. Sob Yende a trop de problèmes maintenant. Sa femme qui n'arrive pas à faire d'enfant et celle qui lui a fait un enfant savait être matérialiste. Mm-hmm. Alors, c'est l'occasion pour moi de me le faire. Ma copine, je ne te juge pas. Je suis à pied d'œuvre pour que le général Tifo divorce de sa femme et m'épouse. Fais comme chez toi. Bye. Samba. Capitaine Chumalo, tu seras au trou dans les prochains jours. Et je vais croquer ta femme comme je l'ai fait avec la fiancée de mon salopard de fils des lobbies. Le monde entier sera au courant que je suis le général Samba Difo nommé par décret présidentiel. Le général Samba Difo, fils de planteur devenu aujourd'hui le plus puissant de Lenga. Le plus puissant du pays Katsunga. Les gens vont désormais se coucher quand je passe. Sinon je leur apprendrai à le faire. Entrez. Mon général, le sergent Chouta est ici. Mon général, que se passe-t-il? Ton téléphone ne passe pas. Qu'est-ce qui te fait entrer dans ma suite en levant le ton? Et en plus, tu entres dans ma suite comme si tu allais dans un marché de poules. Samba, samba, samba.